Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessine-moi un module, et aujourd'hui on va parler d'un des modules les plus répandus, si ce n'est le module le plus répandu de DCS World aujourd'hui, le FA18C Hornet. C'est parti! Alors, ce F-18, on va le classifier exactement comme le F-16 dans les avions multi-rôles, parce que vous allez voir que bah, vous allez pouvoir faire toutes les missions du jeu, du simulateur. Et on va commencer tout de suite par son évaluation RR, on perd pas de temps. Alors en RR, on va faire le même principe que la dernière fois, il y aura juste une petite particularité spécifique à ce module, et vous allez voir pourquoi. Parce que déjà, c'est ma vidéo, je fais comme je veux, et puis voilà. On va parler de son radar en premier. Eh bien, son radar, il aura une petite note de 4 sur 5 parce qu'il est utilisable en TWS comme le F-16, hein, exactement pareil. Néanmoins, ce coup-ci, je lui mets un 4 sur 5 parce que contrairement à son petit frère du F-16, ce radar dans le F-18, dans DCS World, il a une très bonne portée. On peut voir très loin. Et il a de nombreux modes de fonctionnement, RWS, TWS, vous pouvez changer les gammes de fréquences mid, high, les présélections de fréquences radar. Ce qui est fort utile pour détecter des cibles qui sont loin et qui se rapprochent. Enfin voilà, il a une très grande versatilité, j'adore ce mot. Je l'utilise peut-être trop d'ailleurs, mais bon. Donc son grand nombre de modes, sa grande portée... Et puis bah sa facilité d'emploi, je le trouve assez intuitif. Il est presque à comparer dans son utilisation. Parfois, moi, j'ai quelques similitudes avec le RDI du 2000C dans DCS. Hein. C'est vraiment sympathique. Je suis pas perdu quand je prends le F-18 en termes d'utilisation radar. Et ça, c'est pas plus mal. Ça permet de switcher d'ailleurs d'un module à l'autre beaucoup plus facilement, je trouve. Ensuite, en termes d'armement, bon là, je mets la même chose que pour le F-16, parce qu'il a les mêmes armes, hein. Il a les AIM 120 et les AIM 9X, exactement pareil. Donc 4 sur 5 aussi. Et enfin, pour tout ce qui est système de conduite de tir, etc. Là aussi, il va avoir 4 sur 5, même si je trouve qu'il a quand même beaucoup trop d'infos, mais bon, à la rigueur, c'est pas plus mal d'avoir toutes ces infos. Et en plus, il a peut-être trop d'infos, mais il reste quand même super précis en canon. En dogfight, c'est vachement utile d'avoir une conduite de tir hyper efficace. Même avec un funnel ou quoi, je sais plus s'il a le funnel, il me semble que oui, mais même avec cette conduite, on va dire, sans accroche radar, il est hyper efficace et il est hyper intuitif. Et donc, ça va nous donner forcément une note finale de 3,5 sur 5. Bah oui, je vous ai prévenu, je fais ce que je veux. Pourquoi 3,5? Parce qu'il y a un gros défaut et qui est pour moi son talon d'Achille qui l'empêche de performer en RR. C'est sa poussée réacteur. Sa poussée qui l'empêche d'aller vite. C'est pas tellement la poussée, mais c'est la vitesse qu'il ne peut pas atteindre par rapport au F-16. Et la vitesse qu'il va atteindre, qui va mettre longtemps à être atteinte. Sa vitesse de pointe, c'est... Sur le papier, les données pour Mach 1.6 ou Mach 1.8, me semble-t-il, de mémoire. Vous les atteignez jamais si vous avez le moindre petit emport sous vos ailes, hein, avec cet avion. C'est juste pas possible. Donc moi, juste pour ça, bah, je lui mets aussi 3,5 sur 5 en RR. Voilà, comme le F-16. Mais le F-16, c'était pour d'autres raisons. Donc d'ailleurs, à ce propos, si vous voulez faire un petit peu le comparatif, regardez bien cette vidéo. Puis à la fin, je vous invite à aller voir la vidéo du F-16 et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On poursuit. En air-sol maintenant. Alors le air-sol, voilà, tout simple. Je vous donne le score tout de suite aussi, hein, pour tous les domaines suivants, parce que comme ça, on ira un petit peu plus vite. Et je vous explique après mon argumentation, ce qui me pousse à lui donner cette note-là. Déjà, en air-sol, il aura 5 sur 5. Pourquoi? Parce que au niveau de tout ce qui est avionique pour tirer vos armes, il est vraiment au top. Il vous aide. C'est un avion en air-sol qui vous veut du bien. Il a un TGP qui est au top, qui s'utilise pratiquement de la même manière qu'avec le F-16. Pratiquement, il y a des bagnes que vous êtes obligé de changer parce que c'est pas tout à fait, on va dire foncièrement, fondamentalement, la même chose que le F-16, même s'il y a beaucoup de points communs et donc vous ne serez pas perdu si vous avez déjà fait du F-16. Si vous le découvrez, cet avion, vous allez voir que c'est très simple. Il y a une quantité énorme de tutoriels qui existent déjà. Je pense par exemple au tuto de Mad Dog.
Allez les consulter quand il fait ses vidéos en français. Avantage de Mad Dog, que je salue, qui est québécois, bah, c'est qu'il nous fait des vidéos en français et en anglais. Alors comme ça, c'est au top. Lui, il fait les deux. Ami québécois, d'ailleurs, si vous tombez sur mes vidéos, je vous salue bien bas. Le TGP, donc, il est toujours au top. Et alors, bon, bah, la variété d'emport, vous pouvez emporter de tout comme arme. Mais de tout. De la bombe lisse, de la bombe guidée, de la GBU, de la JDAM, des missiles, des AGM-88. Vous pouvez faire absolument toutes les missions et toutes les époques avec cet appareil. Toutes les époques, modulo, moi, je dirais le Cold War, parce que, bon, malheureusement, vous pouvez pas lui enlever son radar à cet avion, hein. On peut faire de la conduite avec le radar en air-mer. Il peut avoir des missions air-mer. Enfin, il y a quantité, tellement de choses à dire sur ce module en air-sol que je n'ai pas le temps de vous faire tout, vous développer plus loin le sujet, parce qu'il y a encore les autres catégories à développer, hein, malheureusement, ou heureusement plutôt. Néanmoins, bah, vous aurez compris que là, c'est un avion multirôle, mais il est surtout multirôle en air-sol en fait. C'est ce qu'on verra d'ailleurs, c'est un peu son talon d'Achille. Du fait d'être multirôle, on verra dans une autre catégorie que bah, malheureusement, il ne peut pas être bon sur d'autres domaines. En armement, bon, bah, on poursuit toujours 5 sur 5, évidemment, hein, pour exactement les mêmes raisons que je viens d'évoquer juste avant. Déjà en RR, vous pouvez emporter tout, même du Fox, hein. Donc vous voyez, quand je vous dis, on fait toutes les époques avec cet avion, on fait vraiment tout, quoi. Il a une très bonne capacité d'emport d'armement air-sol, hein, donc comme on l'a dit juste avant dans l'air-sol, et en plus vous pouvez prendre pas mal de carburant, et malgré le fait que vous emportiez tout ça comme carburant, vous pouvez encore emporter beaucoup d'armement, guidé ou non guidé d'ailleurs, hein, en bombe ou en missile, il reste hyper efficace, quoi. Voilà, c'est un très bon module en termes d'armement, en plus donc d'avoir pas mal de polyvalence en termes d'emport. Il a une bonne quantité de leurres qui sont peut-être pas forcément très très faciles à utiliser, mais il a quand même une bonne capacité, on va pas se mentir, hein. En leurre, c'est loin d'être le pire. Certains pourraient penser que je suis gentil avec les capacités de port de leurre comme sur le MiG-29, etc. Je vous rappelle qu'un de mes modules principaux, ça reste Mirage F1, et que là, pour le coup, voilà, c'est... Quand on passe du F1 au F18, bon, déjà, ça n'a rien à voir, évidemment. Mais on peut dire que le F18, il a une bonne capacité d'emport de l'heure. Le MiG-29 aussi. En pilotage, maintenant, on passe à la suite. Le pilotage, je lui mets 3 sur 5. Voilà. Pourquoi ? On va passer par le point, selon moi, le point noir de ce module. Il manque de vitesse. C'est un camion à bombe avec du couple. Du couple dans le sens où il peut accélérer fort, mais il va pas avoir une grosse vitesse de pointe, mais vraiment pas. Il va accélérer fort dans tout ce qui est basse altitude et basse vitesse et les bas domaines, quoi, on va dire, parce que c'est un avion qui a été étudié pour faire du multimission. Et quand vous voulez faire du multimission, vous avez un avion qui peut pas être bon dans un seul domaine, la vitesse de pointe, etc. Enfin voilà, pour ceux qui s'y connaissent en aéronautique, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que même ça, dans DCS, c'est plutôt pas mal retranscrit, je trouve. Comme c'est un avion multimission, voilà, il peut pas être aussi bon, par exemple, qu'un F-16 qui a peut-être été développé à la base comme un petit intercepteur au départ, qui lui va pousser fort et tout, mais il a moins d'emport. Voilà, ça, c'est pour comparer. Par contre, son point fort, ça reste quand même ses commandes de vol électrique, qui sont plutôt, je trouve, bien faites dans DCS World. Parce qu'en dogfight, quand il est en lice, il est extrêmement redoutable. C'est un avion qu'il vaut mieux éviter d'affronter si vous vous retrouvez contre lui en lice. Vraiment, je plaisante pas. Parce qu'en plus, ok, il va pas vite, mais par contre, il peut très bien se poser en combat tournoyant sur ses deux moteurs. Lui, il en a deux qui ont du couple, même si on va dire qu'il peut pas aller vite. Au moins, il peut pousser fort quand même en basse vitesse. Et là, avant de vous défaire de ça, bah, je vous souhaite bon courage. Hein. Le rapport qualité-prix, ça aussi, c'est... Là encore, j'ai été très gentil, je trouve, parce que j'ai été hésitant sur sa note à lui donner. Je lui ai mis 3 sur 5. C'est au-dessus de la moyenne, attention, on est sur 5, la moyenne, c'est 2,5. J'aurais pu lui donner 2,5, d'ailleurs. Hein. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de ça. Mais 3 sur 5, parce que... Ok, il est terminé, hein. Il est bien fini. Il est bien fini, même si parfois, on verra dans un autre domaine, il y a quelques petits changes en cours de route. Et puis, il est bien fait, il fonctionne plutôt bien.
Il a très très peu de bugs, en tout cas à ma connaissance, pas, hein, voilà, maintenant qu'il est terminé. Par contre, je le trouve vraiment cher, quoi. 80$ pour un appareil comme celui-là. Alors, ok, on va dire peut-être qu'il coûte ce prix-là par rapport à toutes les missions qu'il peut remplir. Mais enfin, maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on fasse le prix d'un module, pas par rapport au nombre de missions qu'il peut remplir dans le simulateur. Voilà, parce que quand je vois qu'il y a encore certaines choses qui sont mises à jour en cours de route, bon, c'est bien, au moins il est suivi, il sera toujours suivi, évidemment, puisque c'est un module de chez ED, donc il sera toujours suivi celui-ci. Mais perso, je le trouve trop cher et pour ça je lui mets 3 sur 5. Le SNA maintenant, on part au système de navigation, on parle maintenant, pardon, du système de navigation et d'attaque, on va lui mettre 5 sur 5 parce que c'est le plus complet et le plus efficace de tous, à mon sens, dans DCS World. Il a son propre brouilleur en plus, hein. Le brouilleur, c'est pas une chose dont je parlais souvent dans les autres modules, même les FC3, parce que bon, l'utilisation restant simple, ils l'ont tous, mais si je compare de module à module pour le moment, c'est-à-dire que pour l'instant on n'a fait que le F16, le F16 n'emporte pas son propre brouilleur à lui à l'intérieur de son avion, dans le module qu'on a dans DCS World. Vous êtes obligé de rajouter un pod, ce qui en plus vous bride sur un point d'emport, d'accord? Ça vous empêche par exemple de prendre un bidon ventral, parce que le pod de brouillage du F16, le gros ou le petit d'ailleurs, vous le mettez en point ventral. Ce qui n'est pas le cas du F18. Le F18, c'est du brouillage intégré, et ça c'est bien, déjà, entre autres. Mais sinon, il a aussi viseur de casque, il a un excellent pilote automatique. Le pilote automatique, là, je ne l'ai pas mis dans le pilotage cette fois-ci, mais plutôt dans l'avionique, parce qu'effectivement, il se commande bien via l'avionique. Même si, parfois, je trouve l'avion un peu mou quand on a le pilote auto, c'est un peu bizarre. Mais voilà, il est bien fait. On peut coupler au tacant, au waypoint. Enfin, voilà, il est tellement intuitif que je l'ai mis ici. Je l'ai mis dans les points forts du SNA. Voilà, si ça vous choque, n'hésitez pas à le dire, vous avez le droit aussi, dans la bienveillance, bien évidemment. Et les centrales hybrides et GPS qui vous permettent d'avoir, souvent, quand vous êtes sur des missions récentes, évidemment, post-90, ça vous permet d'avoir un avion qui est constamment bien aligné. Alors, quand vous faites de la GBU, c'est pas très grave, mais quand vous faites du bombardement JDAM en Target of Opportunity, en TOO, bah ouais, là vous êtes content d'avoir un avion qui est constamment bien aligné, quoi. Vraiment. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je l'utilise, c'est comme ça que je vois la chose. Ensuite, en termes de situation awareness, la conscience de la situation, c'est-à-dire la lecture du terrain de guerre via ce module, pareil. Là, je lui mets aussi 5 sur 5. Parce qu'il possède le Data Link, donc la L16. Il a un RWR qui est assez efficace, qui est vraiment pas mal. Donc tout ce qui est captation des signaux radar ennemis, il est vraiment bien. Et tout ça, votre L16 et votre RWR, c'est en plus répété dans votre viseur de casque. Et ça, c'est vraiment top, quoi. C'est-à-dire que vous tournez la tête et vous allez avoir parfois la piste liaison 16 de vos bandits. Vous allez... bon, bref, vous avez suivi le truc. On voit la provenance des signaux radar... Vraiment, c'est un avion qui vous veut du bien à ce niveau-là. Au niveau avionique, c'est vraiment top. Et enfin, pour finir, la finition, qui sera 3 sur 5. Parce que, voilà, il est fini, il est beau, mais moi, je trouve que D a la fâcheuse tendance à retoucher à des choses essentielles comme ses commandes de vol, alors qu'il est soi-disant terminé. Donc moi, quand je vois ça, ça me laisse un petit peu dubitatif. Voilà, c'est pour ça que je me dis, il est fini ou il n'est pas fini? Décidez-vous. Parfois, il y a des choses comme les commandes de vol qui sont retouchées. Je pense à une grosse mise à jour qui a eu lieu en début de cette année, alors que l'avion est terminé depuis l'année dernière. Donc moi, je dis que si un module est terminé, on ne touche plus à ses commandes de vol. À un moment donné, il faut se mettre d'accord. Ou alors, ça veut dire que vous ne l'avez pas fini. On a l'impression des fois que ça sent un tout petit peu l'arnaque, votre truc, vous voyez. Bon, c'est pas grave, il a 3 sur 5 quand même. Donc voilà son évaluation globale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Pourquoi? Bah parce que si vous avez quelqu'un qui est un petit peu hésitant, qui ne sait pas quel module prendre, qui ne sait pas quoi faire et qui veut débuter dans DCS World, je pense que mes petits conseils peuvent l'aider. Sauf si vous trouvez mes conseils inutiles, n'hésitez pas à le dire aussi bien gentiment. Et je répondrai volontiers, je débattrai avec vous. Moi, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. On utilisera un petit peu le F18 la semaine prochaine et puis on profitera de cette utilisation pour faire un tutoriel
sur l'air-sol, parce que j'en ai pas fait beaucoup sur ma chaîne. On va commencer enfin l'air-sol, comme je voulais le faire là au printemps. Je vous en ai parlé, je tiens mes promesses, je tiens ma programmation. Je vous remercie tous de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. Je vous dis bisous, zizou, et à la chasse! Thank you.